Hey, bonjour. Ce soir, juste une toute petite vidéo pour te rappeler que mon mentor Jim Fortin donne un cours ce soir à 22h, temps de Bruxelles. Et ce que nous allons voir, donc il donne actuellement cette semaine un cours en quatre parties. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Alors, si tu n'es pas encore inscrit, j'ai mis un lien. Tu peux t'inscrire, c'est en anglais. Et dans la première partie, elle est sur une page de replay. Donc, si tu t'inscris, tu reçois accès au replay de toutes les séances et tu vas pouvoir les regarder. Et le titre de ce cours est Be, Do, Have. Donc, être, faire, avoir. Et que la plupart du temps, la plupart des gens font exactement l'inverse, moi m'y inclus. D'abord, on va dire, je dois avoir beaucoup pour pouvoir faire plus et pour pouvoir être finalement quelqu'un. Et ça, c'est une stratégie qui ne fonctionne pas. Et en appliquant cette stratégie, donc aujourd'hui, dans cette partie qu'il donne aujourd'hui, nous allons donc voir comment en fait on peut se dire, je dois faire plus, je dois travailler plus dur et je dois penser plus, je dois apprendre plus. Et les femmes avec qui je travaille, et toi probablement si tu m'écoutes ici, tu es quelqu'un qui a cette conviction-là, je ne suis pas encore assez, je dois encore apprendre avant de pouvoir être à la hauteur de ce que je veux vraiment faire dans ma vie, je dois encore faire plus. Travailler plus dur pour avoir un autre résultat, eh bien, ça ne fonctionne pas. Et donc, Jim, ce soir, il va décomposer cette manière de fonctionner que nous avons apprise, qui est vraiment pas quelque chose qui va nous servir pour pouvoir être cette personne qui va pouvoir avoir ces résultats. Parce que quand tu es cette personne que tu voudrais bien être, quand tu commences par l'autre bout dans le être, à ce moment-là, vraiment la logique s'inverse. Et aujourd'hui, il va donc parler des habitudes, va parler de comment est-ce qu'on peut changer sa réalité en changeant nous-mêmes et aussi en regardant comment est-ce que se créent nos habitudes et comment est-ce que je fonctionne d'une manière sur autopilote presque toute la journée. Et comment la conscience, prendre conscience de ça, mais alors comment sortir de ça, de cet autopilote, hein? Et tu le connais très bien, cet autopilote. Un exemple que tu connais probablement bien, tu peux me mettre un commentaire ici en dessous. Un exemple, l'autopilote. Je prends ma voiture et je prends depuis 10 ans toujours le chemin pour aller à Bruxelles. Toujours le même chemin. Si je suis complètement occupée dans mes pensées, tout d'un coup, je me trouve en route pour Bruxelles. Je me dis, ah non! Je ne voulais pas aller. Tu as déjà vécu ça? Tout d'un coup, tu as l'impression que tu te réveilles et tu dis, mon Dieu, où t'as raté la sortie d'autoroute parce que tu ne voulais pas aller jusqu'à là, tu voulais sortir plus tôt, mais ton autopilote, lui, fonctionne très, très bien. Certainement, tu connais ça et il y en a plein des manières comme ça. Donc, quelque part, ça peut nous servir hein, parce qu'on va pouvoir faire autre chose en même temps. Maintenant, tu peux conduire ta voiture et tu ne dois même plus penser à des choses. Hein. Tu peux en même temps écouter une musique, parler avec quelqu'un, mais au début, quand tu l'as appris, eh bien, c'était un nouveau truc à apprendre. Il fallait que personne te parle pour que tu puisses être absolument concentré. Et donc, ça peut nous servir, mais là, très souvent, ça nous dessert. Et donc, Jim va expliquer ça ce soir. Donc, je fais cette vidéo ici pour que tu ne rates pas le cours qu'il va donner, que je le recommande absolument vivement. Et c'est ce qu'un peu c'est à quoi je vais me limiter cette semaine. Je vais quand même te toucher un mot sur ce qui se passe aussi cette semaine et qui est encore disponible cette semaine pour toi si tu veux travailler avec moi. La première chose, c'est tu l'auras peut-être vu passer, tu peux regarder dans les événements, c'est ce parcours de 21 jours. Je le clôture, enfin je ferme la porte, ce n'est pas clôturé parce que c'est 21 jours, je ferme la porte pour que tu puisses rejoindre ce parcours jusqu'à vendredi. Vendredi, je ferme cette porte et tu n'as plus accès. Et ce parcours de 21 jours pour honorer ton corps et plus de joie et légèreté, je le fais typiquement 2 fois par an, mais je ne peux pas te garantir qu'il va être fait à la fin de l'année. Et c'est maintenant le printemps où c'est le bon moment pour aller se mettre dans cette énergie. Et de un. Et de deux, on a commencé aussi aujourd'hui dans mon programme Danse ta vie, un nouveau cycle de 4 cours. Tu peux donc rejoindre ce programme Danse ta vie. Je vais mettre un lien, je vais mettre les 3 liens ici. Comme ça, si tu veux faire les 3, tu fais les 3.
Si tu ne comprends pas assez l'anglais, bah, tu vas laisser tomber Jim. Et autre chose que je veux donc dire, donc je vais te mettre les liens pour que tu puisses voir qu'est-ce que c'est et t'inscrire. Si tu as des questions, contacte-moi au plus vite pour que je puisse te répondre. Mets-moi un commentaire ici en dessous. J'espère que tu vas bah voilà, te libérer pour, en tous les cas déjà, le cours de Jim, où tu vas avoir le deuxième cours aujourd'hui, le replay. Tu peux le regarder et tu as encore les deux autres cours qui viennent. Et pour le parcours du 21 jours, bah, il te faut 5 minutes par jour. C'est très ludique, c'est très léger. J'en ai déjà parlé en long et en large. Tu es absolument la bienvenue. Et pour le programme Danse ta vie, bah, c'est totalement magique. C'est quelque chose de transformatoire, évidemment, où nous allons danser, mais pas que ça. Et tu peux expérimenter ça. C'est fini à la fin du mois de mars. Et puis au mois d'avril, surprise! Que je te donne trop d'informations. Mais j'espère que tu vas bien et on se voit très bientôt, enfin demain, pour une toute autre petite vidéo de ma part. Dis-moi comment tu vas, dis-moi qu'est-ce que tu penses de ce mois de mars et ces initiatives pour prendre soin de ton corps et pour aussi entrer dans cette année avec tous ces cours puissants et ces manière de manifester et de créer ta nouvelle réalité en tant que femme magique que tu es. Je te souhaite une bonne soirée. On se voit demain. Ciao, ciao!